Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un haul parce que je suis allée à China Mall. Pour ceux qui sont à Douala, qui connaissent China Mall, c'est en fait un grand supermarché style Ikea où on peut trouver plein de trucs de déco, de cuisine, etc. Donc je suis partie aujourd'hui et je me suis dit qu'au lieu de déballer bêtement comme ça, je vais faire une vidéo avec. Si ça peut aider certains d'entre vous, tant mieux. Voilà, donc c'est parti. Petit disclaimer. Dans la vidéo, il y a beaucoup de bruit. Je tenais à m'en excuser simplement, c'est des enfants qui jouaient à l'extérieur et qui criaient énormément. Et mes voisins également de palier faisaient beaucoup de bruit, donc vous allez sûrement en entendre dans la vidéo. Mais ne prêtez pas attention, vraiment, faites abstraction de ces bruits-là. Et également sur mon vêtement, j'avais une trace de poussière et même sur mon bras. C'est simplement parce que j'ai porté le carton à un moment pour vous présenter les produits et j'ai eu des traces en fait plein le vêtement. Donc prêtez pas attention, c'est pas le plus important. On va dire que le plus important, c'est le contenu de la vidéo. Il y a d'autres petits couacs, hein, mais je pense qu'on va résoudre ça au fur et à mesure. Je suis en train d'apprendre à monter mes vidéos et c'est pas toujours évident, on va dire. Donc merci de comprendre et bon visionnage. J'ai un gros carton avec moi, je vais le porter, attendez, donc je vais faire un peu de place. Le voici. Donc je pense que je vais incliner un peu la caméra de manière à ce que vous puissiez voir exactement ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je vais d'abord vous incliner. Alors, comme je disais, voilà le carton. Il est bien plein. Donc, alors, pourquoi j'ai pris des bocaux? Je partais à la base pour des bocaux, donc finalement j'ai pris mes bocaux. C'est pour le petit déjeuner en fait, c'est pour mettre tout ce qui est céréales, sucre, etc. J'en avais vraiment besoin parce que comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure, j'ai des bocaux un peu approximatifs. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de recyclage, donc lorsqu'un pot de mayonnaise finit ou un pot de, je sais pas, un pot en verre en tout cas finit, je le lave, j'enlève l'étiquette et puis je recycle, je mets du sucre à l'intérieur, des céréales, etc. Mais j'avais vraiment besoin de vrais bocaux pour que ça présente plus joli, donc j'ai pris ceci avec un couvercle en argent. J'ai trouvé ça très très beau et je vous assure, le prix est incroyable, 1500 francs, à peu près 2,50 euros. Pour ça quoi, franchement c'est donné à ce prix là. Donc j'en ai pris environ 6 parce que je me suis dit que je pourrais toujours en avoir besoin après. Donc j'en ai pris vraiment beaucoup, j'ai fait le plein, je pense que je vais pas en racheter avant longtemps. Donc voilà, voilà. Franchement China Mall c'est vraiment pas mal, hein. Je vous jure, il faut faire un tour. Pour ceux qui vivent à Douala, c'est en Dokoti, donc au niveau de la boulangerie Sakère CCC. Vous demandez simplement à un taxi ou une moto, enfin votre voiture, avec le GPS, hein, vous tapez juste China Mall et on va vous déposer juste devant. Je vous assure, c'est vraiment génial en fait comme supermarché. Donc je continue. Alors, j'ai pris les bougies parce que franchement, je partais également pour les bougies. J'adore les bougies parfumées, donc pour moi, c'est hyper important d'en avoir toujours. Donc, j'en ai pris pas mal quand même. J'ai trouvé celles-ci qui sont la vanille. Et puis, j'ai aimé sa forme en fait. Je trouve que la forme est vraiment... elle a une très belle forme en fait. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai pris celle-ci. Je pense que je l'ai prise à l'équivalent d'1,50 €. Hein. Je crois que c'était 1000 francs, hein, si je me rappelle bien. J'ai également pris la grossie. Celle-ci, elle sent... le citron, je crois. Je crois que c'est la dernière même que j'ai trouvée. Hein. Elle est vraiment énorme. Et celle-ci coûtait environ 3 euros. Donc, à peu près 2000 francs CFA. J'ai également pris sa petite sœur. Mais celle-ci, elle a la vanille bourbon. Voilà. Vanille bourbon. Je ne sais pas si vous voyez parce que je n'ai pas de retour. Hein. Désolée si à un moment, vous voyez que la caméra n'a pas... Attendez, j'ai un chat qui me casse les couilles. Descends, Miela! Donc, j'ai pris sa petite sœur, comme je disais. Et elle coûtait à peu près 2,50 € également. J'ai également pris celle-ci qui est au café. Elle est magnifique, franchement, elle est trop belle. Et elle coûtait environ 2 euros, hein. 2,1 euros, 1300 francs. Vraiment, ça coûte rien du tout, quoi. Et ça sent super bon. Si on pouvait se sentir à travers la caméra, je vous jure, ça sent trop bon. Ça, c'est la petite dernière. J'ai trouvé sa forme super intéressante. Et elle sent également un peu la vanille, quoi. Et je l'ai prise, elle coûtait moins de 2 euros, hein, à peu près 1,50 €. Donc 900 francs et elle a une forme aussi particulière quoi. Donc la voici, elle est magnifique et elles sont vraiment bonnes, elles sont très bonnes, elles sont vraiment très bonnes. Donc j'ai pris ça comme bougie. Vous voyez que j'ai pas dépensé beaucoup d'argent, sincèrement, ça coûte vraiment que dalle.
Donc j'ai également pris un petit bol pour mon chat parce que voilà, j'en avais marre qu'elle mange dans des bols bizarres. Donc j'ai pris un petit bol comme ça à l'équivalent de 3 euros aussi, 2000, voilà. Très très bon prix et super bonne qualité. J'ai aussi pris ceci, c'est juste pour brosser les carreaux, le sol. Vraiment, ça, c'est hyper dur en fait. C'est, je ne sais pas si vous voyez vraiment. C'est hyper dur, très dur. Donc je me suis dit que je pouvais utiliser ça pour brosser plusieurs surfaces. Et voilà, ça coûtait à peine, ça coûtait moins de 50 centimes. Hein. C'était 300 je crois. 300 francs ce truc, franchement c'est donné. J'ai pris également un range couvert. Il faut savoir que j'ai déjà un range couvert, mais celui-ci j'ai aimé parce qu'il était fermé. Donc j'en ai pris un, il coûte 1,50€, donc 1000 francs. Vraiment, j'ai plein de rangements pour les cuillères, les fourchettes et tout, mais ça, je vais utiliser ça pour d'autres trucs, comme les pailles, parce que quand vous laissez les pailles aller à l'air libre, vous savez que plein de bestioles peuvent entrer à l'intérieur, etc. Donc, c'est mieux de les couvrir, en fait. Donc, j'ai pris ça à 1,50€, 1000 francs. J'ai également pris des petits couteaux comme ça. J'ai aimé parce qu'ils étaient tellement beaux, regardez. Ils sont super beaux et ça coûte, tenez-vous bien, 500 francs les trois. Donc, à peu près 50, disons 60 centimes quoi, 60 centimes les trois, j'ai trouvé ça hyper moins cher, donc j'ai pris ça. J'ai également pris deux couteaux en acier parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai pris un grand et un petit, et le petit il était à 900, donc à peu près 1,50€, et le grand il était à 1100 francs, donc à peu près 2€, non 1,75€ par là. Donc j'ai pris les deux. J'ai des couteaux, mais ça peut toujours servir en fait. Alors, on continue parce qu'il y a encore pas mal de petites choses. J'ai trouvé ça. En fait, j'ai cherché une boîte pour le beurre depuis et je n'arrivais pas à trouver. Donc, je me suis dit que je vais plutôt utiliser les boîtes de rangement en plastiglas en fait. Plastiglas, plastiglas, je ne sais pas. Je crois qu'on dit plastiglas, oui. Donc, j'ai pris ça, le plus petit modèle. Je me suis dit que ça pourrait être bien pour mettre du beurre à l'intérieur. Donc c'est mignon, hein? Moi j'aime bien, et puis c'est hermétique, enfin, c'est vraiment pas mal. Je vais utiliser ça pour mettre du beurre, voilà, du beurre de table quoi, et mettre au frigo. Donc tant que j'ai pas trouvé de beurrier, je vais d'abord utiliser ça, c'est une bonne alternative quoi. Et ensuite j'ai pris des chaussettes, voilà. Mon chéri voulait des chaussettes depuis, donc j'en ai trouvé celle-là. Celle-ci coûte 800, à peu près 1,25€, les trois paires. Et ça, c'est 400 francs, à peu près 50 centimes. Voilà. Donc, le tout me revient à 2€, hein, pour tout ça. C'est donné, quoi. J'ai également pris une spatule en bois, en bambou. C'est même ça qui m'a plu, parce que c'est en bambou, quoi. Donc, j'ai pris ça, ça coûtait 50 centimes, les gars. Sérieusement, 50 centimes, j'ai pris ça. J'ai pris également sa grande sœur. Je sais pas c'est quelle matière, mais je pense que c'est du bois toujours. Mais elle est un peu plus grande en fait, celle-ci, c'est ce qui m'a plu et j'aime beaucoup la couleur. C'est un bois un peu ciré, marron, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris ça aussi, c'était 1€ à peu près. J'ai également pris un petit cadre. Franchement les gars, je pense qu'au niveau des cadres, j'en ai plein également que j'ai pris. Mais je vais d'abord vous présenter celui-ci. Donc j'ai pris celui-ci à l'équivalent de 50 centimes, à peu près 400 francs pour mettre une petite photo. Voilà, j'ai bien aimé en fait... Le doré autour, j'ai trouvé ça très beau, donc j'ai pris ça. J'ai pris une petite chaîne pour mon chat. Voilà, simple, hein, 50 centimes aussi, voilà. Très 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 joli. J'ai également pris un effaçoir parce que j'ai un petit tableau où je fais mes mémos et tout. Donc c'est un effaçoir basique, hein, 25 centimes, 200 francs je crois. Donné quoi, c'est vraiment que dalle. J'ai pris ça pour laver mes bocaux. Donc c'était également 50 centimes, 300 francs. Franchement quoi les gars, sérieusement, c'est des petits trucs hein, mais ça sert toujours en fait. Donc c'est pour laver mes bocaux justement que j'ai acheté, ça va me servir. J'ai également pris un petit carnet comme ça parce que j'ai tout le temps besoin de noter des trucs. J'aime l'ordinateur, j'aime le téléphone, mais j'aime aussi beaucoup le papier parce que j'ai besoin d'écrire en fait. Donc j'ai d'abord pris ce petit carnet-ci qui me sera bien utile pour noter des trucs en fait. Il n'y a rien à l'intérieur, juste des pages vides, mais ça ne me dérange pas. Tant que j'ai pas trouvé le bon document, je peux pas encore vraiment acheter ce...
J'ai pas encore trouvé ce que je veux en fait. Ce que je veux, c'est plus le business plan de Ashley. Je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Ashley qui vient en France. C'est une youtubeuse française en fait. Je suis abonnée à sa chaîne depuis des années et franchement, j'adore sa chaîne. Et elle a sorti récemment un business plan qui vous sert à programmer en quelque sorte votre vie. Et ça m'a l'air vraiment génial. J'aimerais bien le commander. Donc enfin, j'ai pris des espèces de petites nappes en marbre. Je sais pas exactement à quoi ça sert, hein. C'est juste des petites nappes comme ça, mais j'en ai pris parce que j'ai tellement aimé le motif, je me suis dit que ça va forcément me servir à faire quelque chose. Donc, j'ai pris ça, je crois que c'est 5 à l'intérieur. Franchement, je vais voir comment je peux utiliser ça. Voici tous les cadres que j'ai pris. Alors, j'ai un mur à la maison où j'aimerais faire un mur de cadre, donc il va falloir que je m'achète vraiment beaucoup. Il m'en faut minimum une bonne quarantaine et là, j'en ai déjà une vingtaine, donc j'ai pris des cadres comme ça. Tout simple, vraiment, j'ai pas besoin de cadre super méga. Bon, j'ai pris aussi ceux de cette qualité-ci. J'en ai pris deux d'ailleurs parce que je vous assure, c'est tellement moins cher. Donc voilà, j'ai pris deux comme ça. J'ai pris un en vieux bois. Donc c'est un peu du bois. C'est comme du bois qui était peint en blanc et puis gratté, quoi. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment effet vieux bois. J'adore. Ça, c'était vraiment 1,50€, hein. 1000 francs à hein, chaque cadre. Et j'ai également pris, j'en ai pris vraiment beaucoup, hein. J'en ai pris beaucoup. Tout ça c'est 1,50€, tout ça, tout ce que vous voyez, ça c'est argenté, ça c'est pailleté, ici on a un qui est juste simple comme ça, un autre qui est noir, voilà, tout ça c'est 1,50€, maxi 1,75€, j'ai également pris des petits comme ça, effet bois. Effet bois marron. Tout dépend des photos que je vais mettre à l'intérieur. Celui-ci, c'est tout blanc. Les petits comme ça, c'est 50 centimes. Hein. C'est vraiment 400 maxi, 75 centimes, à peu près 500. J'ai pris encore les frais de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en argenté et en doré. Et j'ai pris ce petit en... Ah, celui-ci est doré, justement. Ça, c'est bronze et ça, c'est argenté. Donc, j'ai pris 3. 50 centimes chacun. Et enfin... J'ai pris le grand frère, le grand modèle de celui que je vous ai présenté tout à l'heure aussi. Donc, celui-ci, je crois qu'il a 2,50€, il doit être à 2€, 1500. Et j'ai également pris celui-ci, qui est vraiment pas mal aussi, hyper grand. Donc voilà, je pense que c'est tout. Ah ouais, j'ai pris également de l'adhésif pour les coller. Ce sera très facile de les coller au mur avec ça. C'est en fait de l'adhésif double face. Avec ça, vous pouvez coller sur du mur. C'est vraiment pour les tableaux, comme vous pouvez le voir. Et c'est très simple d'utilisation. Donc, ça se colle vraiment sur tout type de surface. Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ce haul vous aura plu. Voilà, je fais tout le temps des petites courses comme ça. Donc, je pense que je vais commencer à faire des petites vidéos pour vous présenter un peu ce que j'achète, les bons plans, etc., etc. Je le fais aussi bien à Douala qu'à Yaoundé et quand ça m'arrive de voyager également dans d'autres pays, je le fais. Donc je vais partager avec vous plein de petites astuces comme ça, des petits bons plans, des petits magasins à découvrir. J'espère que ça va vous plaire. Donc moi je vous dis à très bientôt et surtout abonnez-vous hein, les gars. Vraiment, c'est ma première vidéo, j'ai hâte qu'on commence cette aventure YouTube. Abonnez-vous, j'ai plein de choses à vous partager, j'ai plein de choses à vous dire. Et je m'excuse vraiment pour la transpiration parce que les gars, il fait une chaleur, genre je suis à bout. Et en fait, on n'a pas de courant parce qu'on est en train de faire les travaux en face. Donc du coup, ils ont coupé le courant dans toute la zone. Du coup, je peux mettre la clim. Et je suis en souffrance littéralement. Donc j'espère que vous allez vous abonner. Hein. Comme je disais, abonnez-vous les gars. Abonnez et activez la petite cloche. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Let's do this. Whiskey got me feeling pretty, so pardon if I'm impolite. I just really need your ass with me. I'm sorry about the other night.